saute pas par la fenêtre, je vais balancer à toi, je fais. Bon, allez, moi j'en ai marre du bruit. Hop, contrôle surprise. Oh, contrôle. Ça, à cause de vous. Vous ouvrez trop votre bouche. J'ai pas révisé. Et je dois dire un truc, je m'en fous. Oh là là. Comment je me serais battue, hein. Les enfants, arrêtez ces tensions. On va y aller au talent. De toute façon, il n'y a pas le choix. Dès que je donne la copie, vous pouvez commencer. Inch'Allah, le contrôle, il est pas dur. Et ouais, les salades, c'est dur. C'est quoi ça? Comment je vais faire? Ah, mais en fait, c'est facile. La France est née en Amérique. Dans ta tête, s'il te plaît. La France est née en Amérique. Et la discipline politique. Madame? Non, j'ai dit plus de questions pendant le contrôle. Madame, j'ai fini. Ouais, si tu savais comment je m'en fous. C'est facile, hein. Wesh, comment ça se fait, l'intello il galère? Je comprends rien. Attends, comment c'est possible, l'intello il galère et moi, pour moi c'est facile, je comprends pas. Non, non, il y a un piège là. Non, c'est pas possible, c'est sûr, il y a un truc qui va pas, moi j'ai pas vu. Voilà, cette fois j'ai bien fini. Le temps s'est écroulé, posez vos stylos, je ramasse vos copies. S'il y a quelqu'un qui a écrit encore, c'est zéro. T'as vu comment il était dur de contrôle? T'as mis quoi derrière? Comment ça derrière? C'est un recto maquillé. Wesh. Mélissa! Y'a quoi? Halloween, c'est mardi. Hein. Lui, c'est le mec sans pitié avec les filles. Il aime trop les tailler. Mais je suis choquée là. T'as vu la mère à Ambrine, elle est trop belle. Mais de fou. Quoi? Mais pourquoi vous parlez de sa mère? Non mais wesh. Alors lui, on le connaît tous. C'est l'ingraineur. Il aime trop mettre les gens dans la sauce. Pourquoi tu mens? Quoi? C'est qui a parlé de ma mère? J'ai dit ça, je dis rien, mais là-bas, ça a dit ta mère est pue. Hein. Quoi? Mais c'est pas moi. Mais je vais les dire qu'il me niche là. C'est elle. Bombe de ce bitch, comment ça m'aurait pas plu, hein? Bah. Je me serais battu fort jusqu'au sang. Mais toi, t'es une tapette en fait. Pourquoi tu vas pas te bagarrer? Mais il va te bagarrer, hein. Non, mais je te conseille, il va les frapper et te parler de ta mère comme ça. Moi, je me serais bagarré, vraiment. Il y a des pancakes. Ça m'aurait pas plu, mais vraiment. Triangle ABC, nous avons le cosinus. Bon, Ryan, dis-moi le cosinus de AB. 1. Alors, on dit pas 1 déjà, on dit comment? Comment? Alors, lui, c'est celui qui suit rien du tout en cours. Donc, tu dois me dire le cosinus de AB. C'est. Allez, Ryan. C'est Charlemagne qui a découvert l'Indonésie, madame. Oh lolo. T'es ce bitch, toi. Donc, pour demain, exercice 4-5-6, page 51. Madame, en fait, je trouve que c'est pas assez d'exercices pour nos exercices, en fait. Wow. Mais ferme ta bouche. Elle, c'est l'intello, mais qui sait pas doser, tu vois. Mais c'est une déprime. Vous pouvez nous en rajouter, s'il vous plaît? Mais tais-toi. Parce qu'il faut travailler notre éloquence. Oui, bien sûr, je vais en rajouter d'ailleurs des exercices. Voilà, voilà. T'as vu à cause de toi? Bonjour madame. Malheureusement, j'ai mangé ma daronne. Vous allez bien? Non, je vous ai dit que j'ai mangé ma daronne. Ok. Passez-moi vos articles. Pip! Ça prend du temps, hein, quand même. Pip! Il est lent ce lait. D'habitude, ça va vite. Pip, pip! Pip, pip! Oh, ça marche pas. Pip! Pip! Auriez-vous l'extrême amabilité de faire passer les articles vite? S'il vous plaît. Attends mon fils, j'arrive, j'ai oublié un truc, tu restes à la caisse avec la dame. Ok maman, fais vite s'il te plaît. Wesh, pourquoi elle me regarde comme ça? J'ai pas d'argent pour payer. Ça fera 56 euros. C'est pas moi qui a l'argent, c'est ma mère. Comment ça tu n'as pas d'argent? Parce que ma maman en fait elle est partie. Bah il faut attendre ta maman alors. Oui. Ton rigolage en vocal. En mode, c'est quand tu rigoles en vocal mais que ça a pas enregistré là. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à ouvrir une porte. Pour cela. C'est quoi ça? Je suis morte. Je regardais la vidéo comme ça, ça va me refaire drôle. Donc nous avons la poignée ci-dessous. C'est plus marrant comme avant maintenant. Il se transforme en mec de cité quand il s'énerve. Anissa, tu sais, t'es gênante. MDR. Non, mais t'es gênante, hein. Genre, en mode, je sais pas, tous les jours dans la vie quotidienne, t'es gênante. À chaque fois que tu parles, j'ai envie de te gifler. Non, mais c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. En plus, t'es moche, tu pues, t'es chien. Wesh, c'est pas wesh. Wesh, c'est quoi ça, wesh? Je suis encore mon gars. Wesh, c'est devenu un gars. What the fuck? Stop, c'est stop. Pardon, je baisse les yeux, chef. Tu crois que je t'attire? Tu crois que je t'attire? Je vais à la cuisine. Voilà. Pouilleux. Il en a un. J'ai même pas les mots, quand même. J'ai même pas.
les mots. Comment je vais sortir ma calèche là? Ouais. Mais c'est bon, viens, viens. Saute pas à la fenêtre là. Mais je vais mourir. Eh, je vais te tirer dessus là. Ouais. Non. Ouais. Je suis Spider-Man. Imbécile. Arrête la drogue. Et fais pas mal avec moi. Je peux t'accompagner là. Entends je votre Altesse de la majestueuse majesté. Ouais. Majesté. Et fais un pacte avec le shaitan. Oh. Madame, faut appeler un imam là. C'est plus une dinguerie, c'est une dingologie. Il est fou ou quoi lui? Bruh. Et on est pas camarades hein. Va manger du caca. Voilà, je t'ai craché dessus à cause de toi. Quoi? Mais comment ça à cause de moi? Ça y est. D'accord. Une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Dernière fois de ma vie, je t'embête. Je vais t'en mettre une, ça va te faire un taper. Non mais moi je vais descendre hein, parce que... Eh, y a des invités. Et on me prévient même pas. Et vas-y, je descends pas, c'est mort. Je vais rester bloqué dans les discussions de daron là. Non, en vrai, est-ce que je descends? Ouais, je dis bonjour, après je pars. Oh, je sais pas. Non mais comment c'est gênant, ils vont commencer à me poser des questions là, oh. Aidez-moi, SOS. En plus, je sais même pas c'est qui. Ils viennent, ils s'incrustent dans ma maison comme ça là. Ils ont cru que c'était chez leur mère ou quoi? Ah oui, on les a invités, c'est vrai. Et je kibidish. Bon, en vrai, je vais descendre après, c'est mieux. Et vas-y, j'ai trop envie de prendre un truc dans le frigo. Mais j'ai pas envie de descendre là, comment j'ai de la flemme. Pas de ménage, pas de cuisine, rien. Elle me laisse tout faire, ma fille sert à rien. What the fuck? Wesh. Maman, elle joue à quoi là? Elle me termine devant les invités comme ça là. Oh! Vous vous êtes bien foutu de ma gueule. Oh là là, je suis choquée. Quand même, m'a trahi. En plus, c'est même pas vrai. Bon, vas-y, je vais descendre. 5 minutes, pas plus. Bon, allez, j'attends encore quelques secondes, après je descends. 10, 9, 8, 7. Bon, allez, je descends. Salam alaikum. Ça va? Ça va? T'as beaucoup grandi, hein. Je sais, je m'en souviens encore quand t'étais toute petite, je t'ai changé tes couches. Wallahi, billahi, je la connais ni d'Adam ni d'Eve. Bon, alors aujourd'hui, nouveau chapitre, l'esclavage. Oh là là, la rage. Comment je m'ennuie? Mamadou. Quoi? Wesh, madame, vous m'avez appelé Mamadou parce que je suis noire. Pardon, Moussa. Non, mais j'ai compris, c'est Moussa. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai fait quoi? Pourquoi tu parles? Mais toute la classe parle, vous prenez que moi. Je vais te fouetter, ça va te rappeler le souvenir de tes ancêtres. Wesh. Voilà. Madame, vous êtes raciste. Mais vous êtes folle ou quoi? Vous savez qu'on peut porter plainte hein, pour ce que vous avez dit. Hein. Oh non, j'ai. Vas-y. Ça m'est échappé. Ça doit être ça. Ça comme ça, je rigolais. Mais MD. On est les choses à la rigolade. Quand je dis des choses, je ne le pense pas vraiment. Oui, allez, lol. Ça doit être ça. Noir. Quoi? Mais wesh. Je voulais dire, waouh. Lol. Waouh, waouh. Lol. Waouh, waouh, y a un pigeon. Mais oui, bien sûr, on vous croit, madame. Bien sûr. J'avoue qu'il fait un peu chaud, vous pouvez sortir vos bouteilles d'eau, je vous l'autorise. Mamadou. Oui. Tu as une bouteille d'eau? Mais. C'est bizarre. En Afrique, il y a de l'eau? Oui, ça y est. Mais c'est une question simple, comme ça. Mais bien sûr, il y a de l'eau en Afrique, madame. Ok. Je n'étais pas au courant. En plus, elle continue. Bon, je vais aller faire des photocopies. Ok, madame. Vous restez sage. Ouais. En particulier, Moussa, Mamadou et Fatoumata. Ouais. Je vous vois. Mais pourquoi nous? Pourquoi que nous? Sophie, tu peux les guetter, s'il te plaît? Ok, madame. Pour une mauvaise nouvelle, l'imprimante ne marche plus. Hé hey Fatoumata, Moussa, Mamadou, c'est pas le moment de faire les singes ici. Non, mais non. Mais moi, à l'école, j'étais un bon. Faut pas croire. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans la musique que vas-y à l'école j'avais des mauvaises notes. Les profs m'aimaient bien et tout, hein, t'as capté. Tu vois, moi au début je me suis dit, vas-y je vais me mettre à fond dans les cours et tout, je vais faire des études. Il y avait une petite voix dans ma tête, elle m'a dit, vas-y mets-toi dans la musique, lance-toi dans la musique. Mais je voulais pas lâcher les cours en même temps, du coup je me suis dit, vas-y je vais publier un son, sans clip, sans rien. Je vais publier, si ça marche, si ça perce, je me mets dans la musique. Mais en mode au début, mes parents ils voulaient pas trop que je me lance dans la musique, tout ça. T'as capté? Après, j'aurais dit, maman, papa, faites-moi confiance. La musique ça rapporte beaucoup d'argent, vous inquiétez pas, je vais percer et tout. Je vais vous ramener un disque d'or. Ils m'ont pas cru. Après, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réussi et tout. Maintenant, voilà, ils sont fiers de moi. Qu'est-ce que je faisais? Je travaillais dans mon coin. Tous les jours, j'allais au studio. Faut jamais dire ses projets à personne. En mode, j'ai créé des sons de fou, de fou, de fou. Genre. Pauvres, les types d'élèves à la rentrée partie 4. Après! Wesh, elle a ramené un sac de vite, on les gaules! Coucou, Mévie! Par contre, t'as vu, nous appelle pas Mévie, on n'est pas des collègues. Il veut quoi, lui? Ta maman le pitch. Lol. Il suffit juste que j'entende ta voix pour avoir envie de te mettre une grosse patate dans les dents. On va t'asseoir là-bas. Je mets à côté de qui? Tu vas aller t'asseoir à côté de Salma. Oh non, pas madame. C'est la vie. Non, s'il vous plaît, mettez-moi à côté de Karim. Le haoula ou leur couette, il a billé. Madame, elle se met pas à côté de moi, elle, hein. MDR. Mais Y'a pas de mais, tu viens pas à côté de moi. Si je me mets à côté de toi, je me mets à côté de toi. Je me mets à côté de toi. Tu vas dire quoi? Elle est grave moche.
Genre elle met trop de maquillage. Eh ma belle, tu mets trop de maquillage. Ton vieux full face qui te dégouline là. Wesh. Moi je suis naturelle. Moi, je suis une meuf naturelle. Genre je mets pas de maquillage. Je suis trop belle au naturel en fait. Faut prendre exemple en fait. Oh la grosse BDA, j'ai jamais vu ça. Eh mais je suis choquée là. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ah madame, j'aime trop vos cheveux. Ah bon? Madame, vous êtes trop belle aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. What the fuck? Eh Willy, Willy, Willy. Mais je qui me dis ça. Qu'est-ce qu'il y a? Zbé, tu vois. Le premier qui rigole parce que j'ai redoublé. Wallah, je lui mets un pan.